نحن نساند القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين فرنسيين، وبين إسرائيل كدولة وسياسة، فرق شتان بين هذا. نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقف هذا الشيء وتعود الحقوق لأهلها. Nous sommes là tous pour dire qu'on a le droit de vivre, qu'on a le droit de critiquer des politiques, mais on n'a pas le droit d'assassiner des vies. On a vu l'horreur pendant le week-end, c'est horrible. Moi j'étais à Sderot, j'étais à Ashkelon, j'ai vu ces gens accueillants. Moi je me rappelle très bien d'une famille juive marocaine qui nous a fait un couscous. Ces gens-là malheureusement peut-être sont partis des victimes. On a vu samedi dimanche l'horreur de la Shoah, croyez-moi. On a vu le samedi dimanche pour moi une autant de haine qu'on peut le qualifier, c'est des barbares. C'est la Shoah carrément. Absolument, ça n'a rien à voir à la cause palestinienne ni l'islam. On ne peut pas avoir un grain de foi pour Saint-Denis ou un grain de l'humanité et faire des choses comme ça. Je pense aujourd'hui la conscience nationale, et j'appelle tous les musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous pour libérer au Gaza, pas otage de ce criminel, assassinat. Et en même temps, avoir la joie de violer des femmes, assassiner des civils, kidnapper des enfants, quelle humanité ils ont, quel sens, contraire à l'islam, contraire au Coran, contraire à tout le sens de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour dire Israël, ils ne sont pas seuls, le peuple israélien, il a le droit d'exister, on peut le critiquer, mais on n'a pas le droit de détruire. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Chebboune.